Une carte de sport. Ouais. Et quel sport? Ah, ton truc de pole? Faut que tu viennes sur Bardo. Maintenant, t'es obligé pour venir faire un cours. Je l'ai fait un petit tour de ma ville, ça a duré 1 minute 30, vraiment. On s'arrête à la boulangerie, on a été chercher un petit pain, une boisson. Je voulais prendre un Capri Sun, mais au final j'ai pris comme elle pour goûter. Putain, tu sais qu'est-ce qu'on a oublié d'aller chercher mon bac. Super boîte d'orange à mes pieds, il y a genre 10 kilos d'orange. Du coup là on file chez Eva, hashtag mon lieu de résidence pour les 3 prochains jours. J'ai hâte de voir sa maison parce que sa maison elle a l'air incroyable. Lola, elle a peur de ma chèvre. Oui, j'aime pas les animaux. Bon, du coup, j'ai ramené plein de petites choses. Beaucoup de choses. Ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est du café. Ouais, c'est de la chicorée, tu connais ou pas? Mais je sais pas si t'as déjà vu le film Bienvenue chez les Ch'tis. Si, mais il y a longtemps, ils mangent ça dedans. Ça, c'est des Rita et je savais pas que c'était de chez nous. Tu connais pas? Qu'est-ce que c'est? Non, je connais pas. Ouais. Du bœuf fourré à la vergeoise. Et pareil, la vergeoise, c'est de chez nous apparemment. Et moi, mes préférés, c'est celle à la vanille. Qui dit venir du Nord dit alcoolique. Du coup, j'ai ramené deux styles de bière. Déjà, la Ch'tis. Ça, c'est vraiment genre, elle est brassée juste à côté de chez moi. Genre, ouais, à 2 km de chez moi. J'ai pris une du Vieux Lille aussi, of course. J'ai pris une arageoise. Genre, ça vient d'Arras. On l'a goûté ce soir. Le maroilles, j'en avais mangé quand je suis venue. Si jamais t'as envie de faire un poulet au maroilles comme la dernière fois, tu peux le faire. T'as vraiment le même principe, c'est de la crème de maroilles. Ah, et ça, c'est le cadeau du swap. Bah que du coup j'avais pas offert. Attends, parce que mais je vais te chercher le tien. Bon, ça c'est Ocean's Apart. Et elle est insupportable ma chèvre. Mais non, je t'ai dit tais-toi. Ma combo. C'est les cadeaux qu'on n'avait pas eu dans le swap, qu'on n'avait pas reçu. Ah, je suis trop fan. C'est un pantalon de jogging orange et Eva a bien exactement pétain. Le même. Il est trop beau. Ah, oh, il est trop mignon. Je trouve que c'est grave ton style. Oui, j'adore. En attendant, je veux que tu goûtes ça. Parce que ça, elle connaissait pas. Mais qui connaît pas le cacolac? Alors, moi, j'ai pris un pain au chocolat. Tu sais que je me suis sentie mal. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je dise chocolatine ou pain au chocolat? Mais dis pas que t'as dit pain au chocolat. Tu sais qu'elle elle a dû dire, oh, c'est qui cette meuf? Alors, moi j'avoue c'est grave bon. Donc tu goûtes le cannelé quand même. Allez, crash test du cannelé. Alors, ouais c'est bon, mais la texture c'est hyper spéciale, ça fait un peu gélatineux. Ouais c'est ça. En fait. Alors que ça ressemble à un gâteau genre. On en mange pas toutes les 4 matins franchement. On va tourner une vidéo avec The Peg, Sarah et Alex. Exactement. Très gentil d'ailleurs. Mon mec a-t-il le droit de... Hashtag ça va pécho à la réouverture des boîtes. Je vais vous faire un petit haul de livres de ce que j'ai acheté à la Fnac tout à l'heure. Il faut savoir que je lis jamais de livres, mais hier j'ai commencé les 4 accords Toltec. Et du coup je me suis acheté 3 livres aujourd'hui, puisque hier je vous ai demandé de me conseiller vos livres préférés. J'aimerais bien lire au moins un livre par mois. Alors déjà il y a Lait et Miel, ça fait des années que j'en entends parler, mais je ne savais pas ce que c'était. Et en fait c'est un genre de recueil de poésie, bah, plein de petites citations, plein de textes, des petits dessins, etc. Et en plus je trouve que c'est un très beau livre. Ensuite, toujours recommandé par vous, c'est Le Message de André Chédid, qui est extrêmement fin comme vous pouvez le voir. Et en gros c'est une histoire d'amour qui se passe pendant la guerre. En troisième genre de livre, j'ai pris un livre de développement personnel, Celle qui a dit fuck. Celui-là c'est sous les conseils de Clara et d'Eva du coup. C'est un peu un mélange de fiction, de journal, de développement perso, etc.
vin de Bordeaux. Voilà, son premier verre de vin, c'est un 7 millions en plus. Château Plaisant. Merde, quand c'est dégueu. Elle fait la grimace, ça veut dire qu'elle va aimer plus tard. Bon, mon petit outfit of the day, je suis pas totalement satisfaite. J'ai mis un pull sans manches, donc ça qui vient de chez Bershka, que j'ai trouvé sur Vinted. Petite chemise blanche, mon short en cuir, mais tout en noisant, c'est un Zara, avec des collants et mes Converse. Alors, il est 14h22, on a mangé avec des copains de son papa. J'ai goûté le petit vin de Bordeaux, je suis pas fan, non, je préfère le vin blanc. Et ensuite, on verra bien, je vais pas tout vous spoil, vous verrez au fur et à mesure de la journée ce qu'on fait. Et je crois que j'allais me changer parce que j'aime pas mon outfit. Il fait trop beau dehors, c'est hyper agréable, vraiment. Je peux sortir juste en pull. C'est des champignons, oui. Mais voilà, tu sais. Là, vraiment, t'es dans ma life à 100%. Ouais, franchement, j'aime pas grand-chose. Mais franchement, si, tu manges tout, là, depuis que t'es là. Il est 8h45. Eva vient de partir chercher son abonné parce qu'aujourd'hui, on a un tournage avec Oceans Apart et son cours de pole. Du coup, elle m'a donné ma petite tenue Oceans Apart qu'elle a commandée pour moi. C'est moi qui l'ai choisie, mais en toute honnêteté, je pensais pas que ça allait être aussi pétant que ça, genre le rose, mais il est trop frais, du coup j'espère juste qu'il va m'aller. Il y a trois pièces, un t-shirt comme ça, crop top à longue manche, petite brassière ici, et ça c'est le pantalon, enfin le legging. Je sais même pas en quelle taille il a pris, en S. Donc écoutez, je vais essayer ça de suite, je vous montre après à quoi ça ressemble. Bon bah écoutez, je me sens très fit comme ça. C'est très sympa, j'ai vraiment l'impression d'être une fit girl. J'adore, ça fait tellement genre se sentir bien. Je sais juste pas si j'assumerai moi d'aller à la salle de sport avec un truc aussi fluo, aussi pétant. On va au pôle, la raison pour laquelle je suis venue à Bordeaux. Par dessus je vais mettre le jogging que du coup elle m'a offert. Je mets un pull, je me prépare et après je verrai ce que je vous vlog. Bon, j'ai essayé d'arranger tout ça. En tout cas je vais faire un petit peu de montage en attendant que les filles arrivent. Je commence à avoir un peu faim parce que j'ai pas mangé des matières. Salut tout le monde! On va tester la pole et après on va faire des petits trucs ensemble. On se baisse et on remonte, on fait quoi? Ouais, vas-y. Il est 20h10, on vient de déposer Laurine, l'abonnée d'Eva qui avait gagné le concours Oceans Apart avec qui on a passé la journée.
C'était trop trop bien. On a parlé plein de choses, elle a appris plein de choses sur les réseaux et tout. Vraiment, on a fait les commères. Ça m'a trop donné envie de rencontrer des gens, du coup, genre de faire tu sais, des petites rencontres à Lille. Ce matin, la Paul, c'était assez enrichissant. De toute façon, vous verrez la vidéo sur la chaîne d'Eva. Du coup, j'ai hâte qu'elle sorte. On était avec une équipe de prod et j'avais jamais fait ça. Et c'était impressionnant quand même, genre, mais super cool parce qu'on était hyper attentif et à l'écoute. J'ai réussi à faire un open V quand même. C'est un truc de malade pour un premier cours. Donc, Eva vient de passer au orange. C'est très mauvais, d'accord. Et maintenant, on va se chercher un truc à manger pour ce soir parce qu'on va filmer une petite vidéo. On va manger une salade parce que du coup, ce midi, c'était pas top top healthy. Une salade parmi les salades. Lola Nanas. Elle me déteste là que j'ai parlé fort et tout, je le sais. Putain, je suis en train de la ruiner, la pauvre. C'est le premier truc que je paye depuis que je suis arrivée. Ouais. C'est Lola qui ralasse. Bon bah si vous entendez un bruit de quelqu'un qui belle, bah c'est une chèvre. Allez, va la sortir du truc là. Oui, trois fois. Je touche pas les animaux moi. 11h20, c'est mon dernier jour ici. Dans 5h à peine, je suis dans le train. C'est triste, voilà. C'est pas drôle. On est en train de bosser un petit peu, enfin Eva plus que moi du coup. La meuf elle dit ça mais elle a fini sa vidéo, moi j'ai rien le temps de monter. Ce matin, dès que je me suis levée, j'ai fait ma miniature, ça m'a pris genre 45 minutes, mais je suis trop contente du résultat. Du coup, moi je vais vous faire mon petit haul rêveuse. J'ai fait une sélection de 5 petits articles hier. Franchement, si ça tenait qu'à moi, j'aurais acheté le magasin complet. Du coup, je vous mets son site en barre d'infos. J'ai pris ce collier comme ça, que vous pouvez personnaliser, genre tu peux écrire ce que tu veux. Je voulais pas écrire mon prénom de base, je voulais faire un truc un peu plus sympa, un peu plus original, mais j'avais pas l'inspi. Du coup, j'ai fini par écrire juste mon prénom. Cette bague là, comme ça, qui est un peu dans le style Hermès, je crois, elle m'a dit. Je la trouve trop jolie. Dès que j'ai eu grand coup de cœur dessus. Ici on a un petit bracelet doré toujours, j'ai vraiment fait que dans le doré avec une petite étoile. Il y en a plusieurs qui me faisaient grave de l'œil, mais au final j'ai sélectionné celui-là parce qu'il est tout simple, tout minimaliste. Moi ce qui me choque vraiment c'est que les prix sont hyper abordables. Genre je crois que ce bracelet il coûte 12€. Deux bouts d'oreilles qui ne sont pas pareils. Un L puisque je m'adore. Ici c'est du coup une boucle avec une pierre blanche dessus. Et après avec ça j'ai même eu une petite box comme ça. C'est des box de Saint-Valentin du coup. Où il y a un collier avec des petits cœurs, un collier avec un cœur du coup. Et là vous avez le bracelet pareil que le collier. Et Eva les porte d'ailleurs, c'est trop joli. T'as le bracelet et le collier, ouais. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. J'adore, j'adore. Peut-être une collection un jour, Lola. Ah peut-être. Ah hein. Oh, ce serait trop stylé. Les gars, ça va être l'heure de partir. Il est midi 25, du coup là on va arrêter de faire tout ce qu'on fait. Je vais aller clôturer ma valise. Et après je pense qu'on va aller sur Bordeaux. On va aller faire de la lime. Oui. Moi je voulais faire un petit débrief de mon séjour ici. Genre au bout de sa life, de tous ces animaux. Alors je rentre chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi, là je suis au bout. Non, en vrai je suis trop contente parce que c'est comme quand on s'était vu à Lille. Mais non, à Lille on s'était vu vraiment genre 5h. Rapido. Quoi. Moi ça me fait trop plaisir genre de rencontrer des gens qui font la même chose que moi. C'est trop bien. Et qu'on partage la même passion. On a pu parler de plein de choses. Elle m'a conseillé plein de choses pour les réseaux. Moi ça m'a grave inspiré de voir la girl boss que c'était. Et moi de même, la meuf elle s'arrête pas dans ses édits et tout, là j'ai vu que des extrêmes. Il a, enfin franchement, boulot incroyable, elle se la donne dans ce qu'elle fait et c'est trop inspirant. J'ai appris plein de choses et ça m'a donné envie de faire plein de choses et de vivre la ferme. Ça non, pas du tout. Ma mère m'a appelé tout à l'heure et elle a invité Eva à venir à la maison cet été quand j'aurai mon permis. J'ai hâte d'aller à Lille dans le pluie, le froid. Sans déconner, je vais te ramener à Dunkerque là. Tu penses que Dunkerque c'est en Allemagne? Je suis persuadée que Dunkerque c'est en Allemagne. Je veux le voir pour le croire, sinon je n'y crois pas. Et en plus, j'ai papoté avec son copain. Il est trop mignon, voilà. Je le valide pour vous. Je me suis gavé incrusté dans leur discussion. Bonjour, bonjour les filles. Je gâche tout. Non. Qu'est-ce que j'ai pensé de Lola? Bon, alors Lola, ce que j'en pense, très jolie fille. Merci. C'est dommage, elle est trop jeune pour moi. Ah, oh, t'es bête. Tu vas aller rejoindre la grisaille du Nord. C'est pour ça que nous on a la peau plus bronzée que vous. Oui, bon ça j'ai compris. C'est ça. Donc comme
pouvez le voir, je viens de rentrer à Lille. Il est actuellement 8h24 du matin, ce qui explique cette tête. Je suis rentrée hier soir du coup à 22h. Du coup, moi j'espère que ce vlog vous a plu, que ça a changé de mes vlogs de d'habitude, que vous avez bien aimé le montage, puisque j'avoue que j'ai passé grave de temps. Ça m'a grave remotivé à faire plein de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me rejoindre sur Insta. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.